Bonjour tout le monde, c'est Oxymose et aujourd'hui les amis, je viens d'être réveillé par une énorme explosion. Regardez, il fait totalement nuit. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va essayer d'enquêter. Qu'est-ce qui vient de se passer les amis? Regardez, je suis encore dans mon lit. Allez, on va se lever, hop là. Regardez, regardez dehors. Hey, il doit être 2 ou 3 heures du matin là. Il y a la pleine lune. Et d'ailleurs je pense que c'est la première fois que vous voyez la ville dans le noir, parce que je filme jamais de nuit. Bref les amis, on va aller voir ce qui s'est passé. Je crois que ça vient du volcan. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. On va allumer toutes nos lumières là, voilà. Parce que attendez, c'est n'importe quoi. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Je compte sur vous les amis pour mettre un énorme like à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours les amis. Donc je remercie au passage, hop là, je remercie au passage les abonnés qui se sont abonnés la dernière fois. Je vous rappelle les amis, s'abonner c'est le bouton rouge qui est juste derrière là, donc il est en dessous de la vidéo, le vrai bouton, et il vous permet d'être au courant dès que je sors une vidéo. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche aussi, sinon vous recevrez pas de notification. C'est gratuit et ça permet de beaucoup m'aider. Merci beaucoup à Impro, à Sayanara et à Louis, donc voilà, et à LuluG, voilà, je remercie 4 personnes. Merci beaucoup à vous. Il y a aussi la boutique de vêtements dans la description si vous voulez commander des produits, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Bon, on va descendre les amis, j'ai pas envie de réveiller Diego, je vous avoue, donc on va essayer de faire attention. Si c'est pas très grave, on se rendort, mais voilà. Alors, ça vient, est-ce que ça viendrait du vol? Oh, les amis, c'est quoi ce bordel? Regardez le volcan, comment il est encore plus grand! Mais attendez, mais ça va jamais s'arrêter! Attendez, attendez! Regardez, regardez les boules de magma, elles sont encore en feu! Elles sont énormes! Bon, ça va, il n'y a rien qui a atterri sur mon toit! Parce que le bruit était hyper fort quand même! Non, c'est bon! Mais attendez, Diego, il est peut-être réveillé du coup! Ouah, les amis! Regardez le magma! Ouah, les boules que ça fait! Non mais là c'est grave les amis, c'est grave, c'est grave. Bon attendez, attendez, attendez. Là je pense qu'il faut aller réveiller Diego. On va aller réveiller Diego, il faut évacuer la maison. Je sens que ça tremble encore. C'est un truc de ouf les amis, donc on va aller réveiller Diego, il faut évacuer. Au pire vous savez quoi, pour être sûr, parce qu'on va pas évacuer non plus définitivement, on va faire un petit tour dans la ville le temps que ça passe, les vibrations, les coups de, j'allais dire de tonnerre, mais vous savez, les rugissements du volcan, on va dire, parce que là, il va peut-être y avoir une autre éruption, et s'il y a une autre éruption, et ben, il faut absolument déguerpir de là. Allez, vite, on va aller voir Diego, les amis, on va aller le réveiller en pleine nuit, le pauvre, et ben, voilà, j'espère juste que ça va bien se passer. Le pauvre Diego, il doit rien comprendre à ce qui se passe. Bon, il n'y a pas Manon, hein, voilà, il n'y a pas Manon, mais il y a... Ok, Diego, il dort. Diego, il dort. Diego! Diego, réveille-toi! Je te réveille parce que c'est grave, il faut évacuer la maison, Diego. Tu vas mourir sinon. Prends les jouets que t'aimes bien et on s'en va. Prends un ou deux jouets que t'aimes bien, pas plus. Il faut s'en aller, Diego, c'est grave. Le volcan, il est encore entré en éruption et là, il y a des grosses boules de magma qui sont sorties. Et c'est passé pas loin de la maison, donc au cas où, là, on va attendre que l'activité du volcan, elle se baisse un peu, qu'il y ait moins de lave qui coule. Et après, on verra, ok? Parce que là, regarde. Regarde, viens voir, viens voir. Regarde, là, il y a beaucoup de lave qui coule du volcan. Donc, on va attendre qu'il y ait moins de lave qui coule et en attendant, on va aller faire un petit tour en ville, non? Oui, ça fait peur. Ça fait peur, bah oui, ça fait peur. Mais ça ferait moins peur. Allez, attends. On va fermer la maison avant. Voilà, donc on ferme bien le garage, les amis. On ferme bien la maison. Ce garage-là, il est fermé. On ferme bien les portes de la maison. Voilà, parce qu'au cas où, si on doit évacuer, on doit condamner à vie. Voilà. On va tout fermer au cas où, même pour protéger de la lave et tout, c'est bien. Merde, la fenêtre de ma chambre, elle est ouverte. Attendez, il faut absolument fermer la fenêtre parce que vous savez que dans un incendie et tout, il faut jamais laisser les fenêtres ouvertes parce que ça fait un appel d'air. Voilà, donc on ferme bien tout, on ferme toutes les portes, etc, etc, nickel, nickel. Ok, nickel. Allez, Diego, bon, on va faire un petit tour en ville, et si à la fin de notre petit tour en ville, la situation du volcan, elle s'est améliorée ou elle a pas trop évolué, on peut re-rentrer, mais si elle devient pire, bah justement, on a bien fait de faire un tour en ville, ok? Ok. Bon, ça va, Diego, bah ça se voit que t'es en forme, hein, parce que là, tu peux parler. Ah bah oui, ça... C'est ça,
parce que tu m'as réveillé à 3 h du matin. Ben oui, je t'ai réveillé à 3 h, mais bon, c'est pour ta vie, sinon tu t'aurais. C'est soit tu te réveilles à 3 h du matin, soit tu te réveilles plus jamais. Tu préfères quoi? Ah ben moi, je préfère me réveiller à 3 h. Ben voilà, voilà. D'ailleurs, les amis, petite parenthèse, mais voilà, comme je vous avais dit au début de la vidéo, je sais pas si vous avez déjà vu la maison de nuit, mais franchement, ça rend super bien. On a rajouté des lampes aussi. Bah regardez, le volcan, ça fait un peu apocalyptique, c'est assez flippant. Donc, on va se balader un peu en ville pour voir ce que ça donne de nuit. Comme ça, je vous fais découvrir aussi la ville de nuit. Même moi, je découvre avec vous. Hein. Donc, on a rajouté quelques lampadaires parce que sinon, on voyait vraiment rien. On voyait vraiment rien. Le pont, franchement, super beau. Diego, qu'est-ce que t'en penses toi de visiter la ville de nuit? Ah, c'est cool, hein? C'est cool. Et même là, les amis, j'ai modifié quelques trucs. Vous savez que je modifie à chaque fois que je fais un live, et bah la plupart du temps, c'est parce que je modifie la map. Et du coup, et bah regardez, là avant, c'était un vieux petit chemin. C'était les rails de chemin de fer ici avec un train. Et bah regardez, il y avait un même chose. Il y avait les ponts étaient en vert, il n'y avait même pas de pont ici, il était là-bas, il était tout vert et je l'ai mis au même design que le pont là qui était aussi en vert mais que j'ai modifié en rouge. Et voilà, franchement ça rend super bien. Il n'y a pas des lumières partout mais voilà, là il y a la prison. Ça fait un peu peur. Et là regarde, il y a le Sun Mall. Il y a le Sun Mall. Bon par contre il n'y a personne, hein. Il fait tout noir les amis, c'est normal. À 3 h du matin, je pense pas qu'il y ait des clients ou des vendeurs d'ouvert, ça m'étonnerait les amis, ça m'étonnerait. Regardez la station, le Sun Mall, purée, ça fait bizarre. Ça fait un côté un peu apocalyptique. Mais je sais pas, j'aime bien cette ambiance. T'en penses quoi, Diego? Bah ça fait peur un peu, hein. Ça fait peur. Ah bah ouais, c'est vrai. En vrai, là, tu rajoutes un mec. Imaginez, là, il y a un mec en noir, là, tout en noir, comme ça, avec des vêtements ultra dark, et il nous observe comme ça, il commence à nous suivre. Là, ça fait peur. Non mais Diego, te cache pas, ça sert à rien. Y a personne là. On est tout seul, je crois. Hein. En tout cas, j'espère. J'espère, il n'y a pas quelqu'un au coin d'une ruelle désaffectée là. Non, c'est bon, c'est bon. Donc les amis, Je regardez, suis je vous... pas avec toi. Allez, suis-moi, Diego, allez, sinon tu vas avoir peur. Regardez les amis. Même chose là, le bâtiment il était là et ça cassait grave la perspective. Enfin, en gros, ça compressait grave le truc, alors que là, du coup, on l'a déplacé un peu derrière ce bâtiment et ça fait grave une place de ville un peu aérée. Donc là, la future école, l'église, la banque, l'hôpital, la police, le Sun Mall, le KFC, la caserne de pompiers. Et ça, je sais pas, on sait pas encore ce que ça va être, mais voilà. Ici, je sais pas exactement ce qu'on va faire non plus. Mais voilà, franchement, je trouve que ça rend méga bien. C'est pas fini. Vous savez, la ville, elle est en constante évolution. Bon, voilà. On essaie de gagner du temps en attendant que, vous savez, l'éruption elle se calme. Et peut-être, bah là que. Peut-être que ça a dû se calmer. Qu'est-ce que t'en penses, Diego? Bah, je sais pas, j'espère. T'espères? Bon, allez, viens. On y va. On va voir ce que ça donne. Parce que je vous avoue que j'ai quand même. J'appréhende un peu le truc. Ah oui! Attends, mais juste avant, je voulais vous montrer des trucs. Regardez, il y a des nouveaux trucs. Il y a un concessionnaire. Alors, je vais pas trop vous spoiler, mais il y a un concessionnaire et il y a d'autres magasins qui ont ouvert dans le Sun Mall. Mais on peut pas trop rentrer parce que bah il fait nuit, quoi. C'est fermé. Voili voilou. Allez, let's go. On rentre à la casa, les amis. On rentre à la maison. J'espère que ça s'est amélioré. Imaginez là, on voit des grosses boules de feu voler maintenant là. Non, j'espère pas, j'espère pas. Faut pas que ça arrive quand même, faut pas que ça arrive. On croise les doigts. Parce que sinon, vous avez vu, les amis, tout le temps la malédiction. Je pense que c'est ça, j'ai une malédiction sur moi. La malédiction de Oxymose, il a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps des. Il y a tout le temps. J'ai tout le temps des pépins. Là, ça va, il n'y avait pas grand-chose à part le voisin qui était un peu relou, mais ça s'est un peu calmé. Il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est vrai que même les abonnés, ils s'ennuyaient. Ils disaient, non, mais Oxymose, il y a plus de monstres. Tes vidéos, on s'ennuie un peu. Même si Diego, il est trop mignon avec sa voix et tout. Il n'y a pas de monstres, nanana. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vous voulez mon mal, en fait. Vous voulez mon malheur, les amis. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, alors, le volcan, bon, il n'a pas bougé le volcan. Donc c'est bon, je pense que c'était juste une éruption, voilà. Tu vas peut-être bientôt pouvoir te recoucher, Diego. Hein. Qu'est-ce qu'on en. Qu'est-ce que t'en penses là? Qu'est-ce que t'en penses? Attendez. Attends, Diego, attends, attends, attends.
bien. Diego, rentre à la maison. Diego, rentre. Rentre dans ta chambre. Rentre. T'as dit, faut pas rentrer. Diego, rentre dans ta chambre. Enferme-toi. Les portes, elles sont ouvertes, les amis. Je prends mon arme. Les amis, attendez. Les amis, on a bien fermé la porte du garage tout à l'heure. On a fermé la porte de la grange. Elle est ouverte, il y a des espèces de traces de pas. Attendez, regardez. Regardez, regardez. Attendez, on va zoomer un peu. Regardez, il y a des traces de pas. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la grange pendant qu'on est parti. Les amis, c'est quoi ce bordel? Il y a un truc de pas normal là. Est-ce qu'on y va ou pas? De toute façon, j'ai mon arme, elle fonctionne bien. Ok, elle fonctionne bien. Je vais... les amis, je fais quoi? Mettez un max de pouces bleus. Allez les amis, si vous mettez un max de pouces bleus, j'y vais là. J'y vais. Si vous mettez un max de likes là, là si vous mettez tous un pouce bleu, je fonce tête baissée. Je sais pas qui a à l'intérieur. Voilà, on me veut du mal. Le seul moment où je suis pas chez moi, on en profite pour me piller ma maison. J'ai même pas vérifié que la maison elle était safe. Mais bon, les portes là, elles étaient fermées. Il y a que celle-là qui était ouverte, les amis. Pourtant, vous avez vu, avant de partir, j'ai bien fait attention de la fermer en plus. Je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans la grange. On va monter petit à petit. Allez, mettez un max de pouces bleus, j'y vais. Il n'y a pas assez de pouces bleus là. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Faut augmenter le son pour voir. Il y a un truc qui bouge. Ah, c'est quoi ça? Ah! Regardez, il a de la lave sur lui. Regardez. C'est un... Mec, il casse tout. C'est un espèce de monstre fait en lave et en roche. Et en roche magmatique, là, je sais pas comment on dit. En roche de magma. Regardez. Il est composé de la même façon que les blocs gris, là, et la lave. C'est un monstre. C'est le monstre du volcan, les amis. C'est lui qui mettait l'ail. C'est lui avec ses traces de pas. Qu'on avait vu l'autre fois dans la dernière vidéo. On voyait des traces de pas, regardez. Il faut le faire partir. Et toi, là! Sors de là, sors de là! Sors de là! Sors de là! Dégage, dégage, dégage! Oh purée, les amis! Oh purée, oh purée! Ok, oh, je lui ai fait peur. Il a une coursée, je lui ai fait peur. Il repart vers le volcan. Regardez! Oh! C'est quoi ça? Il est là, il est là. Il monte. Wesh, il nage dans la lave, il nage dans la lave. Il nage dans la lave. Ça lui fait rien. Qu'est-ce qu'il fait, regardez? Il rentre dans le volcan. Mais c'est un fou, c'est qui ce... Waouh. Les amis, on n'est pas du tout en sécurité dans cette maison. C'était lui, les traces de pas. La dernière fois, en plein jour, on était là. On voyait des traces de pas ici, mais elles n'allaient pas jusqu'à là. Et là, regardez, il a marché là. Qu'est-ce qu'il a fait, les amis? What the fuck? Il a tout détruit. Oh non, Loki, Loupi! Non, c'est bon, ils sont sains et saufs. Mes petites... Oh, il a déplumé un poulet. Ah les amis, il a mangé toutes mes ressources. J'avais des cartons de bananes, j'avais plein de paille. Il a tout retiré. Il a tout mangé. Il a tout détruit les amis. Oh. Il est retourné dans son volcan. Après, il va bientôt faire jour les amis. Oh. Mais what the fuck? What the fuck les amis? Je sais pas quoi dire. Je suis choqué. Les amis,
Bah tiens, là que je parlais de monstres et tout, qu'il y avait moins de peps, là franchement vous êtes servis les amis. Mettez un gros pouce bleu, on va essayer d'élucider cette affaire, cette histoire. Et si vous mettez si vous mettez 10 000 pouces bleus, là je pense que peut y arriver. Allez les amis, je compte sur vous, mettez un gros pouce bleu, n'oubliez pas, dans la description, il y a tous les liens pour mes réseaux sociaux, il y a tous les liens pour ma boutique, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant demain, dès que je sortirai la suite. Voilà, abonnez-vous pour savoir la suite. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao, ciao.